Il est 9h40, l'instant M, c'est maintenant. Merci d'être avec nous ce soir. C'est ça quand on est en direct. M aujourd'hui avec un M comme maté donc un peu le merveilleux travail sur lequel j'ai mis la main. Un roman photo pas mièvre pour dessous, bien au contraire. Un véritable objet journalistique produit par une historienne spécialiste de l'extrême droite et par un photographe. Pendant 2 ans, ces deux-là se sont installés dans 3 des villes dirigées par le Front National. Ils ont tendu l'oreille, déclenché leur appareil photo et saisi des moments d'actualité qu'ils ont décidé de compiler dans un roman photo. Donc, Valérie Higounet et Vincent Jarousseau sont nos invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le roman photo du Front National, on en parle dans un instant, juste après un bref coup d'œil sur l'actu du jour. L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Bruno Donnet. Et dans la presse ce matin, c'est Fillon contre Fillon. Ouest France publie la lettre de justification que François Fillon a choisi d'adresser aux Français, tandis que le Canard enchaîné enfonce le clou et publie le montant des indemnités de licenciement oubliées de Pénélope. Non, c'est rien, il m'a juste aspergé de 2 litres de pipi. Lui, c'est pas Fillon, c'est De Chavannes, Christophe De Chavannes, qu'on annonçait un temps partant pour France 2, reste bien sur TF1. Alors ça, on le savait déjà, mais ce qu'on apprend ce matin, c'est que le jeu qu'il animera, The Wall, arrivera à l'antenne dès le lundi 27 février. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le Grand Journal, c'est tous les soirs, c'est tout en clair et tout en direct de 19h15 à 20h25. Le grand journal de Canal+ passera-t-il l'hiver ? Le site d'information en ligne Pure Média croit savoir que Canal+ envisage de mettre un terme à son programme d'accès avant même la fin de la saison. En cause, les audiences, bien sûr, comme d'habitude, elles sont passées à moins de 125 000 téléspectateurs. C'est dommage parce que le grand journal version Victor Robert, c'est très loin d'être ce que la chaîne a fait de moins bien. Alors, Valérie Higounet et Vincent Jarousseau, à nous trois. Je le disais en préambule de cette émission, vous venez de passer 2 ans à Hénin-Beaumont, à Hayange et à Beaucaire, qui sont 3 villes qui ont la particularité d'être administrées par le Front National. Vous avez travaillé, vous vous êtes demandé à quoi ressemblait la vie quotidienne dans une commune gérée par l'extrême droite, et vous avez choisi de livrer le fruit de votre enquête sous une forme très singulière, un genre que je croyais réservé aux histoires à l'eau de rose, façon nous deux, le roman photo. Pour quelle raison est-ce que vous avez opté pour cette drôle de forme, Valérie Higounet ? Alors déjà, on appelle ça un roman photo, mais on appelle ça aussi un documentaire photo. Parce que justement, les propos qui sont transcrits sont exacts. Alors que dans un roman, par définition, ce n'est pas le cas. Comment on a choisi cette forme ? Écoutez, on a fait un premier travail avec Vincent, qui a été publié dans la revue 21 de Patrick Saint-Exupéry. Et c'est à l'origine de cette publication qu'avec lui, avec Patrick, on a élaboré cette forme inédite pour justement pouvoir, on va dire, raconter et voir autrement ses électeurs et ses militants du Front National. Vincent Jarousseau, quand Patrick de Saint-Exupéry vous a proposé cette forme, vous l'avez pris pour un allumé ? Qu'est-ce que vous êtes dit ? Alors absolument pas, puisque c'est une idée moi qui m'avait traversé l'esprit, mais qui dans sa mise en œuvre, d'un point de vue technique, est assez complexe. Mais surtout, c'était une forme qui répondait absolument, je dirais, au travail que l'on a voulu engager avec Valérie, à savoir donner à la fois un visage à ses électeurs du Front National, à travers la photographie, et aussi une parole, puisque ce travail retranscrit fidèlement leur parole qui a été enregistrée. Et précisons aussi que tous les propos dans le livre ont été validés par les protagonistes du roman photo. Alors j'explique brièvement pour nos auditeurs qui n'ont pas la couleur. Votre livre est très bien fait, il est bourré de photos, des photos hyper réalistes, hein, sur lesquelles vous avez rajouté des petites bulles pour qu'on puisse lire ce que vous avez entendu dans la bouche des gens que vous avez photographiés. Ça se lit un peu comme une bande dessinée, mais ça n'est ni comique ni caricatural. Bref, c'est du journalisme et ça commence avec une série de photos que vous avez prises à Hayange pendant un événement assez cocasse qui s'appelle la fête du cochon, un événement que le maire de la ville, Fabien Engelmann, a coutume de présenter comme ça. Le cochon à Hayange, cela ne date pas d'hier. Contrairement à ce que les bonnes âmes et la petite cohorte véhémente et bruyante de nos 2 tracteurs voudraient laisser croire, chacun est libre de manger ou pas du cochon, c'est un choix respectable.
T'as qu'à croire. Alors, la petite cohorte véhémente, ça c'est nous, hein, les journalistes. Mais comment les habitants d'Hayange, ceux que vous avez rencontrés pour votre livre, vivent, eux, ce genre d'événement? La fête du cochon, par exemple, ils trouvent ça républicain, laïque, Vincent Jarousseau? Bah, très clairement, les réactions étaient positives. Il faut quand même se dire qu'on est dans une ville de petite taille, de 16 000 habitants, plutôt désindustrialisée. Hein, c'est les hauts fourneaux de Hayange ont fermé 2 ans auparavant. En gros, le dimanche, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est vrai que cette fête du cochon, elle est vécue par nombre d'habitants hayangeois et de la vallée de la Fench comme d'abord une fête populaire. Maintenant, c'est vrai qu'elle exclut de facto une partie de la population, puisque c'est aussi une région de forte immigration. Et de facto, les populations d'origine musulmane ne participent pas à cette fête. Et d'ailleurs, il y a un vrai contraste. Moi, j'étais présent au dernier 14 juillet à Hayange. Il y a un vrai contraste avec le 14 juillet, qui est une fête qui rassemble finalement une population beaucoup plus large que cette fête du cochon. Valérie Gounet, comment est-ce que vous avez été accueillie pendant, par exemple, la fête du cochon par les gens que vous avez rencontrés? Vous ont réservé un accueil amical? Pendant toutes ces 2 années où nous sommes allés dans ces 3 villes, on peut dire qu'on a été bien accueillis, hein, que ce soit par les habitants ou que ce soit par les élus. Il faut bien voir qu'on n'y est pas allé une fois. C'est justement pour ça qu'il faut souligner que... Combien de fois? Une vingtaine de fois, voilà. Dans chaque ville. D'accord. C'est pour ça que dans chaque ville. C'est un travail historique et scientifique aussi, parce que ces personnes qu'on a rencontrées, ce ne sont pas 10 minutes, ce sont des heures d'entretien, vous voyez. Donc on a été bien accueillis, et justement quand on avait présenté notre travail à Hayange, le premier, tous se sont retrouvés dans un café avec cette publication, et tous l'ont apprécié. Vous voyez, que ce soit les opposants, ou les élus, ou les habitants qui ont été interviewés. Alors, je vous pose la question de l'accueil, parce que le maire d'Hayange, lui, Fabien Engelmann, il trouve que les journalistes qui s'intéressent à sa fête du cochon, c'est vraiment des casse-pieds. Vous m'emmerdez avec les questions, là. C'est toujours les mêmes. Honnêtement, je pense que vous emmerdez les Français à voir le mal partout. C'est une fête... somme toute classique, comme dans des centaines de collectivités françaises qui organisent la traditionnelle fête de la saucisse ou du cochon ou autre. Voilà. Comment vous avez fait pour composer avec ça, avec ce genre de difficultés? Pour nous, ça n'a jamais été une difficulté, puisque pour lui, un événement comme la fête du cochon ou d'autres scandales divers et variés dans cette mairie comme dans d'autres d'ailleurs, c'est d'abord un processus de communication vers l'extérieur. Il se sert, je dirais, des médias que nous sommes pour communiquer et faire parler. Alors, vous parlez de processus de communication, c'est pour dire quoi en fait? C'est pour dire on est français, on est chez nous, tradition, chasse, pêche et culture? Alors, d'une certaine manière, mais c'est aussi une façon de se différencier des journalistes parisiens. C'est quelque chose qui revient très fréquemment dans son vocabulaire, même si nous avons un peu échappé à cela, puisque notre présence continue dans ces villes nous donnait une certaine légitimité à travailler, notamment avec les élus, hein, puisqu'il y a aussi... Vous avez fini par vous fondre dans le paysage, c'est ça qu'il faut comprendre? Plus ou moins, on faisait un petit peu partie du paysage. Quand on vient une vingtaine de fois dans une ville, on finit par connaître les commerçants, les gens. Mais vous savez, le scandale aussi, c'est lié à l'histoire du Front National. Ça veut dire qu'on se fait entendre et voir aussi, notamment par cette fête. Et Hayange est une ville spécifique. Par exemple, à Beaucaire et à Nabomont, les choses sont différentes. Ce qu'il faut bien souligner, c'est que les habitants, la majorité des habitants, ont l'impression que par diverses manifestations, par cette attention que leur maire leur porte, ils sont reconnus. C'est ça qu'il faut aussi montrer. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus surpris parmi les témoignages que vous avez recueillis à Hayange, à Beaucaire ou à Hénin-Beaumont? Plusieurs choses, plein de choses même. La première chose, c'est l'attente de ces personnes. C'est vrai que beaucoup ont souligné, comme je vous le disais, cette omniprésence des administrés, elle est réelle. Mais aussi, par exemple, à chaque fois, presque, c'était redondant, la présence de fleurs. La beauté de la ville. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'était étonnant. Par contre, sur le plan historique, c'est vrai que nous avons vraiment ressenti une banalisation de la xénophobie, et encore plus avec la crise des réfugiés, si vous voulez, et cette information qu'ils recueillaient, entre autres par les réseaux sociaux. Alors, qui sont ces gens qui votent pour le Front National et que vous avez rencontrés? Est-ce que c'est devenu monsieur, madame tout le monde, comme l'a prétendu dédiaboliser Marine Le Pen nous le dit, ou est-ce qu'il y a encore une sorte de sociologie de l'électeur du Front National, Vincent Jarousseau?
Notre livre n'est pas, à proprement parler, scientifiquement un travail sociologique. Hein. Je tiens à le préciser. Maintenant, c'est vrai que ces électeurs du Front National, ce sont des gens comme vous et moi. Après, nous sommes pas dans tout des... tout à fait, non. Bah, si, quand même, parce que, enfin, voilà, je veux dire, c'est des gens qu'on peut côtoyer dans le quotidien. On est quand même dans des villes où les taux de chômage sont très importants. On est à 20-25% dans chacune de ces villes. On voit des personnes, je dirais, relativement banales, parfois attachantes. Mais parfois aussi aux propos assez glaçants. Alors attendez, il y a une grande vertu quand même à votre travail, c'est que vous avez su éviter un piège. Souvent, quand les médias s'intéressent au Front National et à ses électeurs, ils nous font entendre des propos hyper choquants, mais finalement assez caricaturés. Écoutez, on vous en a trouvé un par exemple. Le rétablissement d'une France aux Français, où les Français sont naturellement issus de souches européennes. Donc c'est renvoyer les immigrés chez eux ? Absolument, c'est les foutre dehors sans aucune conciliation possible. Par exemple, que le fait de voir un noir en France ou un arabe en France soit juste de l'exotisme et non pas quelque chose d'habituel. Voilà, alors ça fout les chocottes, mais on ne sait pas tellement si c'est très utile. Comment ils parlent, les gens que vous avez croisés ? C'est des fachos, comme ceux qu'on vient d'entendre ? Alors, justement, pour nous, c'est inutile. Évidemment, quand je vous dis qu'on a des heures d'entretien avec ces personnes, soit on caricaturait l'électeur FN, et c'était ça. Soit justement, on mettait pour chaque profil, parce que comme vous l'avez vu, hommes, femmes, de tout âge, de toute profession, soit on choisissait des propos qui avaient justement une résonance particulière, c'est ce qu'on a voulu faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux souligner, c'est que ce qu'on a attendu, c'est une adhésion pour Marine Le Pen. Le FN de Jean-Marie Le Pen n'est presque plus présent pour la plupart des gens. Et une adhésion encore plus unanime pour Marion Maréchal Le Pen. Et un second facteur qu'il faut absolument mettre en évidence, c'est le dégoût de la politique française. Et je peux vous dire qu'en ce moment, on les a pas revus là depuis quelques jours, mais je pensais à l'affaire Fillon. Je peux vous dire que ces personnes votent aussi parce qu'ils ne croient plus en la politique et qu'ils espèrent dans un parti comme le Front National qui n'a jamais été au pouvoir. Vincent Jean Rousseau. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un livre, certes, sur les villes du Front National et des électeurs du Front National, mais c'est un livre qui raconte autre chose de beaucoup plus large. C'est un livre vraiment sur une fracture entre une catégorie de Français avec d'autres. Et c'est un constat effectivement qui est terrible pour la classe politique traditionnelle qui, d'une certaine manière, est balayée d'un revers de main par ses électeurs. Alors, on va y venir. À un moment, vous faites le portrait d'une jeune fille. Elle vit chez sa grand-mère. Elle a voté pour le Front National. Mais ce qu'on comprend surtout d'elle, c'est qu'elle est complètement désœuvrée et un peu paumée. Et en fait, ce qu'on lit entre les lignes dans votre roman photo, c'est que le Front National, eh bien, c'est en quelque sorte le seul parti qui fait encore un travail de proximité et qu'au fond, s'il a une telle importance aujourd'hui, en tout cas dans les villes que vous avez visitées, c'est parce que les autres pays, les autres partis, lui ont laissé le champ totalement libre. Complètement. Et je pense particulièrement à l'équipe de Steve Riois à Hénin Beaumont. C'est un homme qui travaille. Depuis 20 ans, il est sur le terrain et nous, on l'a suivi. Et c'est vrai que il va sur le marché. C'est quelqu'un qui connaît les personnes à qui il parle. Il s'adresse à eux par leur prénom, vous voyez. Il les embrasse, il leur serre la main. C'est ça qu'ils attendent aussi, les gens. Cette proximité qu'il a développée, quoi. Vincent Jarousseau, qu'est-ce que les autres ne font plus que le Front National fait encore ou qui fait différemment ? Ce qu'ils font extrêmement clairement dans ces villes-là, c'est qu'ils ont développent une certaine empathie avec la population. Il faut bien voir que dans ces trois villes... Ça marche avec tout le monde ? Ça marche avec un certain nombre d'habitants, en tous les cas. Il faut bien voir que dans ces trois villes, il y a eu des déficiences des précédentes municipalités. On connaît l'histoire d'Hénin Beaumont avec les condamnations notamment de Gérard Allongeville, un précédent maire. Dans les autres villes, c'est un petit peu la même chose, même s'il n'y a pas forcément eu d'affaires judiciaires. Mais ce sont globalement des villes où les pouvoirs précédents s'étaient un peu délités. Il y avait un certain essoufflement et un éloignement des politiques locaux avec leurs habitants. Et c'est vrai que ce qui est assez marquant dans ces villes gérées par le Front National, c'est une hyper-proximité qui vient quelque part compenser une absence de pouvoir réel de ces maires qui sont souvent, je dirais, isolés dans des comités d'agglomération. Alors, vous avez donné la parole tous les deux aux sympathisants, bien sûr, mais aussi aux mécontents. On croise par exemple Mohamed. Mohamed, c'est le patron d'un petit bistrot à Beaucaire. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ceux qui n'ont pas voté pour la Front National ? Comment est-ce qu'on est traité quand on s'appelle Mohamed et qu'on habite dans une ville dans laquelle plus d'un habitant sur deux a voté pour le Front National ? Valérie Gounet. Alors, dans un premier temps, quand on s'appelle Mohamed, on ressent une discrimination. Et d'ailleurs, par rapport à cette discrimination, un arrêté que le maire a voté, on intente un procès avec d'autres commerçants.
Mais dans un second temps, on a eu Mohamed pour la conclusion du livre. Ben, on ne trouve pas ça si mal non plus, vous voyez. Mohamed, parce il que dit qu'il ne trouve pas ça si mal. Il trouve qu'il a, ouvert un second restaurant. Julien Sanchez est venu le voir. Et pourquoi pas? Donc, vous voyez, il y a ça aussi. Il faut du temps. Il faut du temps. Nous, on est restés 2 ans. Ils s'installent, les maires, au sein de ces municipalités. Mmh. Et on voit bien aussi que l'évolution arrive. Mmh. Vincent Jarousseau, qu'est-ce que l'arrivée aux manettes de l'extrême droite a changé dans le climat de ces villes dans lesquelles, je le rappelle, vous avez travaillé pendant un peu plus de 2 ans? Ce que l'on ressent très clairement quand on écoute les habitants, et je crois qu'on le voit dans le livre, c'est qu'il y a une communication qui fonctionne très clairement. L'exemple d'un moment est de ce point de vue assez clair, hein, à la fois au travers du bras de fer qui est mené contre la Voie du Nord, avec la Voie du Nord, et les modes de communication. Et on ressent une certaine fierté d'une partie des habitants à voir leur ville rayonner au-delà de leur périmètre habituel. Alors, vous parlez de la Voie du Nord, c'est très intéressant, parce qu'on va revenir un petit peu à la presse, qui est notre sujet d'étude favori ici. Je vous pose cette question, parce qu'au sommet du Front National, on a l'impression que, en tout cas avec les journalistes, il y a deux types d'attitudes extrêmement différentes. Il y a, à ma droite, les discours de Marine Le Pen, qui prône le respect. Écoutez. J'ai une attention particulière pour la liberté de la presse, car la liberté de la presse est un élément consubstantiel de la démocratie. C'est vrai, trop souvent, j'ai le sentiment de ne pas me reconnaître sous votre plume, ni dans votre œil, mais c'est votre liberté. Je la reconnais et je défends cette liberté. Voilà, super, merci. Et puis il y a à mon extrême droite, les faits, la réalité sur le terrain et les reporters de l'émission de Yann Barthès, Quotidien par exemple, qui se font virer par la peau des fesses. Je suis accrédité ici, vous ne pouvez pas m'empêcher de poser une question à Madame Le Pen. Je suis accrédité ici. Écoute. Donc vous me lâchez et vous vous excusez pour cette violence immédiatement. T'as demandé de sortir. Arrêtez. Vous connaissez la liberté de la presse. Vous me prenez pour qui là? Vous connaissez la liberté de la presse, monsieur? Voilà, Vincent Jarousseau, vous parliez de la Voie du Nord à l'instant. À Hénin-Beaumont, comment ça se passe, les rapports entre la presse et la municipalité? Ah bah, il n'y a plus de rapport du tout, puisque les ponts ont été complètement coupés lors des élections régionales, donc avec les unes de la Voie du Nord. Mais alors, les gens, ils s'en foutent, ils lisent plus le journal? Alors, on va dire qu'il y a les... C'est assez surprenant parce que c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'on a rencontré des électeurs du Front National qui restent des abonnés fidèles, notamment chez les personnes âgées de la Voie du Nord. Il y a quand même un certain nombre de désabonnements. Mmh. Et on a aussi beaucoup de personnes qui s'informent via la page Facebook du maire. Ça, c'est quand même la majorité aujourd'hui. Voilà, ils s'appellent Valérie Higounet et Vincent Jarousseau. Je vous invite tous à lire leur livre. Ça s'appelle L'illusion nationale. C'est paru aux Arènes. Merci infiniment à vous Merci deux à vous. D'être passés Merci. Par ici.